Approchez, approchez. J'ai tant de choses à vous raconter. Approchez. Urbain II, ancien disciple de Bruno le Chartreux, a convoqué à Clermont un grand concile pour traiter des graves difficultés qui se déroulent en Orient. Ensemble, le concile de Clermont, et il m'a nommé vicaire pontifical pour la croisade. Ô Fils de Dieu, il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de nos frères qui habitent les pays d'Orient. Détruis les églises. Aussi je vous exhorte, je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, que se rendra-t-on au secours des chrétiens de Rome? Se battaient contre leurs frères et leurs parents. Ce sont les récompenses éternelles qu'ils vont gagner. Ils étaient si tristes. Serviteur des plus pauvres, défenseur de la veuve et de l'orphelin. Que demandez-vous? Je demande d'être adoubé chevalier pour servir et me donner. Devenir chevalier veut dire abandonner sa maison, sa patrie, sa famille. Recevez cette épée qui doit vous rappeler la défense de la Sainte Église du Christ. Et gardez bien à l'esprit que le royaume de Dieu ne se conquiert pas avec l'épée. Amen. Père Domino Nostrum, Jésus Christum, Vigitum, Conite Convivit, et Regna, et Unitate Spiritus Sancti Deus, Père Domino, Secula, Seculorum. Amen.
joue un rôle de premier plan. Et la forteresse de Saint-Vital, celui de protecteur. Alors que le massacre de la Saint-Barthélemy a lieu à Paris et dans plusieurs villes de France, Monseigneur des Sénectaires, évêque du Puy, sauve les protestants. Monsieur le duc de Guise, nous rejetons vos saints et vos institutions. Et dans mon royaume, et par la grâce de Dieu, à la paix et à la prospérité. De se soustraire au royaume de France et de dévaster province. Jusqu'à la mort. Mais les enfants, ils mourront tous par l'épée. Philibert Daché, cousin d'Antoine, est assassiné par la lettre de Polignac alors qu'il entend la messe dans la cathédrale de Mende. Antoine s'écroule face contre terre. Maxime Lombard.